Le concours Talents des Cités, c'est un très beau moment pour nous parce que c'est le moyen de reconnaître, célébrer et valoriser les plus beaux projets qui sont issus des quartiers partout en France. C'est l'opportunité pour des centaines et des centaines d'entrepreneurs de tout le territoire d'être mis en valeur, d'être mis en avant. On a besoin d'exemplarité et ces entrepreneurs sont exemplaires. On a besoin aujourd'hui d'innovation, de créativité, d'audace et toutes les bonnes idées sont indispensables dans la société actuelle. On croit fort que dans ces territoires que sont les quartiers, bah, il se passe plein de choses et qu'ils nous disent finalement ce que sera l'avenir de la France, ce que sera l'avenir de l'entrepreneuriat. Le prix France Télévisions est décerné à Mamadou Wadou pour ISC. Moi ce soir j'ai remporté le prix France TV. Je suis ravi d'avoir remporté ce prix car c'est ce que je recherchais, c'était de la visibilité, faire connaître mon projet et convaincre des futurs partenaires ou investisseurs. La reconnaissance Talents des Cités, pour moi, c'est très important. C'est quelque part un aboutissement de 2 ans de travail. C'est croire en mon projet. C'est vraiment un parcours de valorisation, de reconnaissance du travail qui est effectué au niveau de tous les bénévoles, au niveau de tout ce qu'on propose pour le territoire. Ça fait vraiment plaisir, c'est galvanisant, ça donne des ailes, ça donne de la force pour continuer et pour travailler encore plus dur, pour avancer et aller de l'avant. Alors avec Atmos Gear, on a gagné le Grand Prix BPI. On est extrêmement fiers. J'avais promis au jury de la régionale Île-de-France que s'ils votaient pour moi, j'irais chercher la nationale et on l'a fait. Donc c'est juste ouf.